And George, I think what he said to the committee agenda, I think he says, will be family peace, I guess, that's fifty. That was on your back, if he's up, and if he's in, you know, there's a piece of his name, not to say, yeah, can't be, cause he's at this. Je veux perdre les yeux, je veux te nom sanctifier, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, si facile. Vous serez Marie, fille de Dieu le Père, vous serez Marie, pleine de grâce, Seigneur, ta présence. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et de le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Vous serez Marie, Mère de Dieu, le Fils, vous serez Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et de le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Vous serez Marie, épouse de Dieu, le Saint-Esprit, vous serez Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et de le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Grâce à ton Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il est pour un moment, maintenant et toujours, dans tous les siècles, ainsi soit-il. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous de nos douleurs, comme au ciel, toutes les affaires de l'homme, et en spécialement, procède-nous du sang de notre Sainte Miséricorde. Pour moi, aussi sans péché. Priez pour nous qui avons besoin de nous. Premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, fruit du mystère, par l'amour de Dieu. Tout bien que les eaux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, pardonnez-nous de ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, si possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Dieu, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Dieu, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Grâce au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes au purgatoire, priez aussi sincèrement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Priez pour nous qui avons recours à vous. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, fruit du mystère, le désir du ciel. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes qui veulent à toi. Nous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous et priez pour nos amis. Aux émissaires glorieux, la porte que vous faites émissaire, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Domine sovere tuam.
Secundum Maria misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Annos Petrus me, Domine, O Sainte Dame, examinez miséricordiam tuam. Et salutare tunde nobis. Examinez exaudio la sanama meiam. Et clamominus sainte veniat. Examinus fabiscum. Et tu spiritu tuo. Oremus. Exaudio domine sancte patri potente tene Deus. Et mite dinieri sanctum angelum tuum de celis. Qui custodiat, proveat, protegat, visitat, qui defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Mm-hmm.
Omnia quae fecit in nobis Domine, in periodicio fecisti, quae peccabimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sed ad gloriam nomini tuum, et fac nobis cum secundum multitudine misericordiae tuae. Beati immaculati in via, qui ambulante lege Domini, gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnia qui fecis in nobis Domine, in verius licio fecisti, quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sed ad gloriam nomini tuum, et fac nobis cum secundum multitudine misericordiae tuae. Kyrie eleison. Kyrie Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Lagire quismus Domine fidelibus tuis in urgensam placatus et pacem, ut pariter ab omnibus mundentur offenses, et securati vivente de serviens. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et eternitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati, Padre Apostoli, Padre Filios. Fratres, videte quo modo, corte ambulitis, non quasi incipientes, sed ut sapientes, redimentes tempus, quoniam dies malis sunt. Propteria norite fire imprudentes, sed intelligentes, que sit voluntas Dei. Et norite in embria divino, in quo est uxoria, sed in plemini Spiritu Sancto, loquentes vobis med ipsis in psalmis et hymnis, et cantices spiritualibus, cantantes et psalentes in coribus, vestris Domino, gratias agentes semper pro omnibus, in nomine Domini nostri Iesu Christi, Deo et Patri. Subiecte in vicem, in timore Christi. Deo gratias. Oculi omnium in te speranza Domine, et tu das illas escam in tempore opportuno. Aperis humanum tuam, et impres omni anima benedictione. Alleluia, alleluia. Paratum cor meum Deus, paratum cor meum. Cantabit psalm tibi, gloria mea, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, in atquidem regulus, cur filius infamabatur Capharnaum. Et cum adisset quia Iesus advenit a Iudea in Galileam, abiit ab eum ad eum et rogabat eum, ut descenderet et senaret filium eius, incipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad eum, nisi signa et prodigia videritis, non credites. Dicit ad eum regulus, Domine descende, priusquam moriato filius tuus. Dicite, Iesus, vade filius tuus vivit. Credidit homo sermoni, quem dixite, Iesus, et ibat. Iamatem eo descendente, servi occurrerunt ei, et non si averunt dicentes, qua filius eius viveret. Interrogabat ergo oram ab eis, in familius abuerit. Et dixerunt ei, queri hora septima, reliquit eum febris. Cognovit ergo pater, quia illa ora erat, in qua dixit Iesus, Filii suus vivit, et credit ipsi et domus eius totam. Nascimus Christi.
Chef Fidel, vous allez avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le 20e dimanche après la Pentecôte. Demain, le 7 octobre, c'est la fête Notre-Dame du Saint-Rosaire. Voilà, donc, ça a été institué lors de la victoire obtenue par la flotte militaire, donc, qui était appelée par le pape en secours pour protéger la chrétienté contre l'invasion des Ottomans. Et on a pu une victoire à les pentes, dans la mer, donc tout près de la Grèce, par une intervention divine, bien sûr. La flotte était plus petite, il y avait le vent qui tournait, etc. Il y avait la confusion parmi les Turcs. Voilà, donc c'est une victoire importante attribuée à Notre-Dame, qui veut préserver la chrétienté contre les ennemis de la chrétienté, quoi, de la religion et de la civilisation chrétienne. Mardi, Sainte Brigitte de Suède, elle est connue pour ses prières, une prière de méditation, la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ et les souffrances. Les prières sont très bonnes, très très bonnes et excellentes, parce qu'on remonte à la source de la grâce et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les promesses qui sont attachées, qui sont malheureusement publiées avec, sont sur l'index, donc ne sont pas approuvées par l'Église. Pourquoi pas? Eh bien, probablement, on peut douter. On demande juste de faire les prières et ça donnerait ça et ça et ça et ça, des avantages extraordinaires. Mais malheureusement, on peut faire les prières aussi en état de péché mortel et alors on n'obtient rien, sauf sa propre conversion, par la bonté de Dieu. On ne peut rien obtenir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ces promesses sont fausses. Ça dépend d'autre chose que seulement la prière. Et comme les promesses, par exemple, faites pour le premier vendredi, le premier samedi, ça c'est autre chose, parce qu'il y a lié à ces promesses-là une confession et une communion. Et forcément, ça met en état de grâce. Donc alors, c'est autre chose. Vous voyez la différence? Mais les prières sont excellentes, hein, donc c'est très bien. Elles sont une force, elles donnent beaucoup de grâce, certainement. Les promesses ne sont pas garanties. Ça dépend de vous. Mercredi, Saint Jean Léonardi, confesseur, mémoire des saints Denis, Rustique et Luther. Donc en France, dans plusieurs diocèses, Saint Denis, évêque de Paris, et son compagnon sont donc expressément, pas en mémoire, mais en messe. Mais c'est donc principal du jour. Et à Paris même, c'est de première classe. C'est le patron de diocèse de Paris. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Pie XII. Pie XII qui est probablement, sinon certainement, assassiné. Donc, martyr, si vous voulez. C'est l'avenir qui se prononcera là-dessus. Parce qu'on a trouvé son corps après la mort, changer de couleur. Donc, ça montre un empoisonnement. J'ai parlé avec des Italiens qui s'y connaissent. Enfin, des fidèles italiens qui m'ont assuré cela. Mais c'est encore un bon pape qui devrait le proclamer martyr. C'est vrai que la franc-maçonnerie voulait se débarrasser d'un bon pape. Hein. Après, on a eu Jean XXIII qui était beaucoup moindre, qui était même en secret franc-maçon et etc. Donc, c'est le dernier bon pape, Pie XII. Jeudi, Saint François de Borgia, confesseur.
Donc, pas tous les Borgia étaient des monstres, n'est-ce pas? Ici, il y a un saint dans la famille de Borgia, Saint-François Borgia. Vendredi, la maternité de la Sainte Vierge Marie, encore une fête de la Sainte Vierge. La maternité. Avant commence l'Avent, n'est-ce pas? On fête sa maternité, destinée par Dieu pour devenir mère de Dieu. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Donc, il y a 3 jours dédiés à la Sainte Vierge Marie, cette semaine. Ailleurs, il y a Notre-Dame de Aparecida, la patronne du Brésil, et Notre-Dame del Pilar, patronne des pays hispaniques. À Notre-Dame del Pilar, il y a un miracle extraordinaire. C'est une personne qui manquait d'une jambe, qui l'a obtenu une jambe. Donc, c'est vraiment création de matière. Ce sont des choses que seul Dieu peut faire. Le diable ne peut pas faire des choses pareilles. Et dimanche prochain, le 21e dimanche, après la Pentecôte. Et ce sera aussi l'anniversaire du grand miracle solaire à Fatima en 1917. Le soleil commençait à tourner et s'approcher de la Terre, apparemment. Pas en réalité, sinon on serait brûlés tous. Mais il y a eu donc un phénomène aperçu par 30 000 personnes. Le miracle de solaire qui montre la vérité des apparitions de Fatima. Voilà. Donc on est dans le mois d'octobre, le mois du rosaire. Donc je vous rappelle qu'on est appelé à prier encore plus le chapelet et le rosaire, qui est la prière qui est demandée, suppliée par la Sainte Vierge Marie pour la solution de tous les problèmes actuels. Et demande, à part donc ce que vous connaissez par la catéchisme, bien sûr, des choses spécifiques pour ce temps, c'est prière et pénitence. Ces deux choses-là sont toutes puissantes auprès de Dieu. Voilà, prière et pénitence. Et une prière la plus facile, c'est le chapelet. La méditation est plus efficace, mais c'est plus difficile. C'est plus une intimité avec Dieu, bien sûr. Mais il faut être capable de le faire. Donc, si on n'est pas capable de faire convenablement la méditation, au moins on tombe sur le chapelet, qui est donc la prière très efficace, qui sont des paroles de l'Écriture sainte, en tout cas la première partie de l'ange Gabriel et de Sainte Élisabeth envers la Sainte Vierge Marie, et qui est irrésistible pour la Sainte Vierge Marie, justement parce que c'est Dieu qui parle. C'est la parole de la Bible, de l'Écriture sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui nous instruit sur la foi. C'est au début de la vie publique notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui était étonnant, ce que je n'ai pas dit les autres années, me semble, c'est que cet officier royal, qui avait une autre charge à Capharnaüm, en Galilée, tout près de Nazareth, et de Cana, parce que Jésus venait de Cana, où là, il vient de faire le miracle, justement, de changer l'eau en du bon vin. Il règne au nom du roi Hérode Antipas, qui était roi Télé du Nord, qui lui-même régnait au nom des Romains, qui occupaient toute la Méditerranée, n'est-ce pas? Enfin, les pays autour de la Méditerranée, tellement qu'ils appelaient ça notre mère, Mare Nostrum. Ils avaient tout, n'est-ce pas? Donc, c'était leur lac, disons, énorme. Et aussi la Palestine. Donc. Alors, il s'agit de son fils, Philioméus. Il commence à mourir, il dit, donc il est mourant. Ce qui est étonnant, c'est que justement, si au début de la vie publique de notre Jésus-Christ, il avait déjà ses apôtres, parce qu'il allait avec ses apôtres à Cana,
c'est dans le récit de Cana. Mais à Cana, c'est étonnant que le texte sur le Marc de Cana dit que c'était le premier miracle que Jésus faisait donc en public. Mais attendez, le texte ici d'aujourd'hui dit que l'officier entendait parler de Jésus, qu'il allait venir de Judée en Galilée. Donc c'est avant qu'il avait fait le miracle en Galilée, à Cana, que déjà l'officier avait entendu parler de Jésus et qu'il voulait le voir pour demander la guérison de son fils. Et ça, c'est étonnant. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ ait fait des miracles, il croyait déjà. Donc ça, c'est magnifique. C'est comme les apôtres. Il avait déjà appelé les apôtres. Et les apôtres ont abandonné leur métier, leur femme, parce qu'ils étaient tous mariés, sauf Saint Jean, avec permission de la femme, bien sûr, mais la femme a aussi la grâce d'accepter, parce qu'on a le devoir de rester ensemble, mais sauf si une vocation supérieure intervient, l'homme peut quitter la femme et la femme l'homme, mariés légitimement, avec permission mutuelle, et si la femme est capable de continuer à donner une éducation convenable à ses enfants, bien sûr, de vivre convenablement. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'Église catholique, des gens qui, à faire permission de leur femme, quittent le mariage pour se donner à une religion, une vie religieuse, contemplative. Et donc, il avait déjà la foi que Jésus pouvait faire des miracles avant que Jésus ait fait des miracles. Donc il avait la foi comme les apôtres qui ont suivi Jésus, qui ont quitté leur métier, leur famille, leur père, leur filet, des pêcheurs, la plupart. Pas tous, mais la plupart. Parce que Saint Matthieu, par exemple, c'était un officier, enfin, un fonctionnaire des taxes romaines. Percepteur de taxes. Et malheureusement, donc, c'était presque inévitable, un voleur. Donc, il s'est converti. Il s'est bien converti. C'est un grand saint, Saint Matthieu. Et donc, il a une foi extraordinaire. C'est déjà admirable. Mais pas encore parfaite. Parce que sa foi va grandir. Parce qu'il y a deux fois que le texte dit il croyait, credit homo semone. Et à la fin aussi, il croyait. Donc les frères de l'Église commentent que sa foi peut être avancée comme toute vertu peut avancer. La foi, qui est une vertu extraordinaire, théologale, ça veut dire directement dirigée vers Dieu directement, peut grandir. Donc au début, il croyait que Jésus pouvait faire des miracles et il loue cette capacité. Parce qu'il va dire aux autres, pas à lui, mais aux autres, si vous ne voyez pas des prodiges, vous ne croyez pas. Et celui-ci, il croit. Donc il reproche aux autres qui n'ont pas la foi de... quoi qu'ils ont tous la grâce. Donc, sinon, Jésus ne ferait pas ce reproche. Ils avaient tous la grâce pour croire, mais il y en a qui ne croyaient pas. Malgré la grâce. Donc il y a une grâce, n'est-ce pas, de la foi, qui est, c'est vraiment un don de Dieu, n'est-ce pas, que cette personne qui se présente sans avoir fait des miracles et des preuves, il y a d'autres preuves bien sûr, les prophéties qui s'appliquaient à Jésus, c'était le temps qui devait venir, il était né d'une vierge, il venait de... quoi encore, il était né à Bethléem, etc., avec les rois mages, il y avait plusieurs, mais je ne sais pas si les disciples étaient au courant de tout cela, n'est-ce pas, que tous ces signes, toutes ces prophéties étaient accomplies de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était la preuve qu'il était le Messie, parce qu'il y avait déjà plusieurs prophéties réalisées, mais voilà, ce n'était pas évident, c'est pas un miracle, ça se voit directement sur le lieu. Mais qu'une prophétie qui donnait d'une vierge,
officiellement, la Sainte Vierge s'est mariée avec Joseph et on considérait Joseph le père de Jésus. C'est une des raisons pourquoi Joseph devait être là. C'est sa vocation de protéger la Sainte Vierge contre la lapidation. Parce que si une femme tout seule a un enfant, on ne va pas la croire que ça vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? On va l'accuser de fornication et elle va être tuée. C'était la mort, n'est-ce pas ? Pour la fornication, c'était la mort, la sentence, dans l'Ancien Testament. Donc, pour protéger la Sainte Vierge Marie, il y avait Saint-Joseph nécessaire. Donc, on pensait que Saint-Joseph était le père de Jésus, sauf ceux qui savaient mieux. Alors, Jésus, il va dire cela, mais l'officier dit, « Seigneur, s'il vous plaît, hâtez-vous parce que mon fils est en train de mourir. Descendez, s'il vous plaît, parce que mon fils va mieux. » C'est vrai parce que Cana, Jésus vient de Cana, et Cana est à 400 mètres plus haut que Capharnaüm. Capharnaüm, c'est tout près, mais c'est quand même dans la vallée. Cana est plutôt plus haut, dans les montagnes. Donc c'est pour ça qu'il dit « descendez ». Descendez avant que mon fils ne meure. Alors, donc il n'a pas encore la foi que Jésus peut guérir à distance. En tant que Dieu, il peut le faire facilement, parce que Dieu est partout. En tant que Dieu, il est partout. En tant qu'homme, il est là, mais en tant que Dieu, il est partout. Il n'a pas encore cette foi, donc il peut... Mais Jésus dit, « Va, ton fils vit. » Et l'homme le croyait. Donc, le cri était « Oh, mon Seigneur !» Donc, il croyait Jésus et il s'en va. Sans autre commentaire, sans dire « Oui, mais non, il a quoi ?» Et il s'en va, il est content. Donc, il a augmenté en foi. Il sait maintenant, il accepte que Jésus peut faire le miracle en distance. C'est admirable. D'abord, il croit que Jésus peut faire des miracles sans qu'il a fait des miracles, parce qu'il était pas, il a cru avant qu'il fasse le miracle à Cana. Et maintenant, c'est le premier miracle, et maintenant, il croit que Jésus peut faire la guérison à distance. Et dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes, ils étaient là, ils touchaient, ils étaient là, ils faisaient tous des rites pour guérir des personnes, même ressusciter des morts, comme Saint Élie et Saint Élisée. Mais ils étaient présents. Alors il s'en va, et quand il s'en va, en cours de route, ses serviteurs vont à sa rencontre pour lui dire que son fils est vit, donc il est guéri totalement. Alors il va interroger sur l'heure que c'est arrivé, pas parce qu'il avait le doute, parce qu'il avait la foi dès le début, mais pour prouver aux autres, n'est-ce pas, que c'était vraiment par Jésus que c'est arrivé. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus avait dit ce mot, allez, il est guéri. Et alors, il a reconnu, le Père, que exactement c'était le moment où il est guéri, parce qu'il entendait les serviteurs à quelle heure il est guéri. C'est la même heure, la même que Jésus avait dit, va, ton fils vit. Et alors, quel était-il ? C'est donc qu'il croyait, une troisième fois il croyait, mais encore plus. Il croyait quoi ? Que ben, Jésus était Dieu et il faisait, il communiquait sa foi parce que « Eius et domus eius tota » et toute sa maison, toute sa famille. Donc sa foi est devenue même fertile. Il a communiqué aux autres que c'est Jésus qui avait dit à ce moment-là qu'il vit et à ce moment-là il est guéri, donc c'est la preuve que ça vient de Jésus. Donc, vous voyez, cher fidèle, la foi, c'est une vertu qu'on peut faire croître, peut dire plus ferme, elle-même en fermeté, qu'on n'a pas de. La foi n'accepte pas de doute, on ne peut pas douter de Dieu, c'est le traiter en menteur possible. Donc, on ne peut pas. Donc, le doute, finalement, est mortel. C'est un péché mortel de douter de la foi. Donc, la foi doit être, dès le début, ferme, sinon, elle est très caduque, n'est-ce pas ?
Mais le contenu de la foi est important, qu'on croit que Dieu s'est fait homme, pas seulement que Dieu existe, mais qu'il s'est fait homme, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, et nous avons cette foi, c'est pour ça que vous êtes ici. Mais nous aussi, nous pouvons demander avec Saint-Pierre, aide-nous Seigneur, parce que ma foi est faible. Alors, cet évangile, n'est-ce pas, c'est une leçon pour la foi, mais en passant, c'est aussi une leçon pour les croix qu'on rencontre dans la vie. C'est parce que son fils est gravement malade que cet homme est venu voir Jésus et que sa foi a augmenté et c'est parfaite. Il croyait que Jésus est Dieu. Donc c'est par le malheur qu'il est augmenté en grâce et en vertu, en sainteté. Donc les maladies ne sont pas forcément en soi, elles sont mauvaises, bien sûr. C'est un mal physique, un mal au niveau naturel. Mais au niveau surnaturel, ça peut être local. Ce n'est pas un bien en soi, bien sûr, ce n'est jamais un bien en soi. C'est même la suite du péché. Dieu ne voulait pas des maladies dans le paradis où il nous a créés. On a dessiné le paradis céleste sans passer par la croix. Juste ne pas toucher de cet arbre, c'est tout. Mais donc, toutes les souffrances sont venues avec le péché, et le péché vient pas de Dieu. Mais une fois qu'il est là, Dieu donne la grâce pour le convertir en bien, enfin, à l'occasion du mal, de faire du bien. Et on a l'exemple, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église, qui est déjà plus que 2000 ans. L'exemple de... Par exemple, un saint, d'ailleurs, je vais prendre ici, Saint Grégoire le Grand raconte du paralytique Saint Servule, empêché par son mal de faire le moindre mouvement, la paralysie totale des muscles. Que je vais traduire, c'est dans le dialogue de Saint Grégoire le Grand, qu'il s'appliquait tout le temps, dans sa douleur, de rendre grâce à Dieu, de, dans son cœur, dans son âme, chanter des hymnes et des louanges de Dieu, jour et nuit, il faisait ça. Et c'est devenu un saint, Saint Servule. Il ne va pas se plaindre dans le ciel qu'il a fait ça. Au contraire, ça va être sa gloire. Un exemple extraordinaire. Un autre exemple, c'est l'exemple... Pourquoi on n'obtient pas ce qu'on demande? Eh bien, un exemple très fort, à part celle de Saint Trita que vous connaissez, qui a demandé le bien de leur fils, de ses fils, et ils sont morts en état de grâce, parce que Dieu prévoyait qu'il allait mourir en état de péché mortel. Un autre exemple ici... Donc la mort de ses fils, c'était un bien. Il a compris ça. Hein. Parce qu'il a prié justement pour ça. Il a dit, si les fils étaient tout près de venger leur père en tuant de propre motu proprio, n'est-ce pas, sans passer par un juge, soi-disant meurtrier de leur père. Hein. Ce qui est un péché mortel de faire ça. Il a prié, laissez-le plutôt mourir Dieu qu'avant qu'il tombe dans le péché mortel, duquel vous prévoyez qu'ils ne vont jamais sortir. Donc ils vont aller en enfer. C'est mieux qu'ils meurent tôt et vont au ciel, et qu'ils meurent tard et vont en enfer. C'est la mère qui est... Mais c'est pénible. C'est très très pénible. C'est comme la Sainte Vierge qui va mourir son fils, mais qui le veut parce que c'est pour le bien de l'humanité et pour la gloire de Dieu. Mais c'est très pénible, n'est-ce pas? Une mère qui va mourir son fils. Ici, un autre exemple. Un riche seigneur avait remis à Saint Jean l'aumônier, c'est son surnom, Saint Jean l'aumônier, une grosse somme d'argent pour faire des aumônes et pour demander à Dieu la guérison de son fils unique. Voilà. Or, voilà. Donc, il a fait ses dons au saint,
et l'enfant meurt. Au lieu de guérir, il meurt. Le saint s'en plaint à notre Seigneur, qui lui dit, le saint lui-même n'a pas compris, et qui lui dit que la mort de cet enfant était justement le fruit de ses prières et de l'aumône du Père, parce que s'il eût vécu, Dieu connaît l'avenir, son père et lui eussent été damnés. Damnés. En enfer pour l'éternité. Pourquoi? Parce que son père, en amassant des richesses par des moyens injustes, par excès d'amour pour son fils, donc c'est de voler, n'est-ce pas? Brûler son fils. Et celui-ci, en les employant à la dissolution et à la débauche, voilà. Ils ont été arrêtés avant de pouvoir tomber dans ce péché mortel. L'enfant prodigue s'était perdu dans les délices. Ce fut l'adversité qui le ramena et le sauva. Autre exemple. Voilà, chers fidèles, c'est la continuation du sermon de dimanche dernier. On peut demander tout à Dieu, mais Dieu qui voit beaucoup mieux que nous, ce qui est bien pour nous, il nous donne les choses qui sont vraiment bonnes pour nous. Et les prières sont toujours exaucées. On reçoit, si la prière est bien faite, bien sûr, mais elle est toujours exaucée, parce que Dieu est bon. Mais il donne ce que nous, exactement ce que nous demandons, si c'est bon pour nous, sinon il donne quelque chose de meilleur, qui est souvent plus spirituel. Voilà. Chers fidèles, appliquons-nous à la Sainte Vierge Marie, demandons à la Sainte Vierge Marie de bien comprendre, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, nous sommes trop courts de vue, n'est-ce pas, on ne voit pas assez, même ce qui est bien pour nous. La preuve, c'est que des gens qui pêchent mortellement, ils pensent se faire plaisir, mais ils se damnent, ils se font beaucoup de mal, voilà. Parce qu'ils ne voient pas plus loin que leur nez est long, comme on dit. Donc, ils se font du mal. Et Dieu, c'est Dieu qui nous fait du bien, plus que nous-mêmes. Demandons cette connaissance à la Sainte Vierge Marie et la force aussi de suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo e non andrei io. Potente, factor e sceri e terre, visibili omnio, et invisibili io, et in unum Dominum Iesum Christum, Eum Dei unigenito, et ex paternato, conter omnia saecula, Deum et Deus, omen de lumine, Deum Deo, 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 genitorum factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, Vitorter nos omnides, Vitorter nos am salute, Descendite Celis, Et incarnatus est, De Spiritus Sancto, Ex Maria Virgine, Et homo factus est, Ucidi Filius, Ucersiam non obis, Subuncio Pilato,
passus secundus est. Et resurrex et gratia dignum, secundum scripturam. Et ancem in celum, sedes ad extremam partes. Et interum dantulus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fines. Et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex parte filio precocedi, qui cum pate et filio simulatur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unus sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis securi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Super flumina paredones ilice, sedimus et flemimus, dum recordaremo tu visio. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Suo
sum corda. Abemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Et justum est. Veredinum et justum est, et cum et salutare. Nos tibi semper vigue gratias agere. Domine sancte pater omnipotens et aeterne Deus. Ficum unigenito filio tuo spiritu sancto. Unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate superstantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto, sine differenza discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur et qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non ces lancamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, veni sunt celi et terra, gloria tua, hosanna. In excelsis, benedictus, qui venit, in nomine Domini. Hosanna, in excelsis. Thank you.
Nobis quoque peccatoribus et famus. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, et certe salutaribus ponite, et divina institutione famate ademus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Thank you.
et omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini, sed sancte vobiscum. Et cum spirito tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Confiteur de Nico Gentil, Vêtue Marie, Sainte Régine, Vêtue Michael, Croix de Lune, Vêtue Lune Baptiste, Sainte Sébastien, Point de Paul, Omnibus, Sainte Sébastien, Vêtue Cabinis, Régitationnaire, Votre Père, Vêtue 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 Père, Esigiamo che si possa dire che si deve sbagliare se si spiega il volo che tramite la mia. In urgenza, non so se la versione del peccatore verso l'antico Bobby, ogni potenza di Zirgo Dominus. Amen. Feciano, sdegno, ci vi sono peccato a mondi. Domino, bene, susi, mi, tu sei presto, che tu mi ero. Se tanto ti vi ero, se ne ero, tu mi ero. Domino, susi, mi, tu sei presto, che tu mi ero. Se tanto ti vi ero, se ne ero, tu mi ero. Dominus, se digno su ti tre su ti domeno, se non tu ne verbo in sana abitua in una mera.
Dieu. Memento verbi tui servo tuo Domine, in cui mi qui splendidisti, ec me consolate humilitate mea. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, us sacris omni redamur degni moneribus, fac nos quesumus, tu vis semper abedire mandatis, per domenum nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te convivide de regna trinitate Spiritus Sancte Deus, et per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine, salva facetur nostra Filippum.
et exaudir en sintié, quoi évoque à verimus te, Domine, gloria sane meam, et clamor meus ate venia, Dominus fabiscum. Et cum spiritu tuo oremus, Deus a cui omnis potes digita sam alapo, na fano tuo regi nostro Filippo, prospero sui vitabis et pectum, in qua sempre deti me ad divigius de pacere contenda, et Christum Domino nostrum. Amen. Et vino magia massa per amun amun, se per nobis cum. Amen. C'est le dimanche après le premier samedi du mois, donc on fait habituellement un salut en nom de Dieu et de la Sainte Vierge Marie. Et on peut chanter en vue justement de demain, la fête demain, par la Vierge Maria, mais vous pouvez chanter pendant qu'on prépare le salut les 10 couplets, hein, si vous voulez. Que tout chante et publie dans ton bien relevé les grandeurs de la vie en l'honneur de Marie. Ave Maria, le péché se détruira par la vie Maria, le grand Jésus règnera. Ô divine prière, suivant à chacun vous direz, je vous sur la terre. Ave Maria, le péché se détruira. Ave Maria, le grand Jésus règnera. Jamais nul hérétique, jamais nul réprouvé, n'a vraiment éprouvé sa douceur angélique. Ave Maria, le péché se détruira. Ave Maria, le bon Jésus règnera. Âme prédestinée, c'est à vous de chanter, c'est à vous de goûter cette main de pécheresse. Ave Maria, le péché se détruira. Ave Maria, le bon Jésus règnera. Il obtient l'indulgence et la grâce aux pécheurs. Oh, juste la ferveur et la persévérance. Par Ave Maria, le péché se détruira. Par Ave Maria, le bon Jésus règnera. Par Ave qu'on écoute, les pécheurs sont changés, les démons écrasés, l'enfer mis en déroute. Ave Maria, le péché se détruira. Ave Maria, le bon Jésus règnera. Dans sa colère, il peut lui résister. Il entend réciter de Jésus devient père. Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus règnera. Si je me lève aux couches, en sortant, en entrant, dehors comme dedans, je l'ai toujours en douce. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus règnera. Je suis insurmontable quand j'ai dit mon ave. Je suis tout animé, je ne crains pas le diable. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus règnera. On s'y rendra fidèle, marchera vitement, vivra parfaitement, mourra tranquillement. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus règnera. Bonjour.
au divine prière, si on me connaissait, un chemin vous dirait jour et nuit sur la terre. Ave Maria, le péché se détruira. Ave Maria, le bon Jésus régnera. Jamais ne l'hérétique, jamais ne l'éprouvé, n'a vraiment éprouvé sa douceur angélique. Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Âme prédestinée, c'est à vous de chanter, c'est à vous de goûter cette manne cachée. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Il obtient l'indulgence et la grâce aux pécheurs, au juste la ferveur et la persévérance. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Par l'Ave Maria, que les pécheurs sont changés, les démons écrasés, l'enfer mis en déroute. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Dieu, même en sa colère, ne peut lui résister. S'il entend réciter, de juge il devient père. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Si je me lève ou couche en sortant, en entrant, dehors comme dedans, je l'ai toujours en bouche. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Je suis insurmontable quand j'ai dit mon Ave. Je suis tout animé, je ne crains pas le diable. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Qui s'y rendra fidèle, marchera vitement, vivra parfaitement, mourra tranquillement. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Le 397, numéro 472. Chez nous, soyez rien. Chez nous, soyez la Madone.
On prie à genoux, il sourit et pardonne chez nous, sa brillante étoile qui nous montre les cieux. Par mon Dieu se dévoile, jeté sur nous les yeux. Chez nous, sois reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, vous êtes notre mère, portez à votre fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous. Chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, par où que notre vie soit digne des élus, et notre âme ravie. Au ciel verra Jésus. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux. Il sourit et pardonne chez nous, l'archange qui s'incline, vous loue au nom du ciel, donnez la paix divine à notre cœur mortel. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Gardez, ô Vierge pure, au cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous. Chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, dites à ceux qui peinent, et souffrent sans savoir, combien longue est la haine, combien chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, chez nous.
on chante numéro 108. 108. 108e. Après, c'est le tabernacle. Page 161. Oui. 161. Page 94.
numéro 149. 149. En l'honneur de la Sainte Marie. Ave, verum, Ave Sanctum, de Maria Virgine, Vere Passum, Immolatum, in cruce Domine, cuius latus perforatum, fluxit aqua et sanguine. Est nobis plegus tatum, mortis in examine. O Jesu Duces, O Jesu Pien, O Jesu Filii Mariae. Ora pro nobis sancta Dei genetrix, ut unificiam commissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui glorios et virginis matis Maria composet anima, ut dignum filii tui habitaclum efficem et retur Spiritus Sancto cooperate preparasti, deus cuis commemoratione letamus, eius pia intercessione abistantibus mater morte perpetua liberemus, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Nous recourons à vous dans nos épreuves, bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre protection. Par l'affection qui vous a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ s'est acquis au prix de son sang et nous assister de votre puissance et de votre secours de nos besoins. Gardien très vigilant de la divine famille, protégez le peuple élu de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de tout fléau, d'erreur et de corruption. Notre Père très puissant, notre très puissant protecteur, assistez-nous avec bonté dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. De même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril imminent de la mort, préservez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre incessante protection, afin que, à votre exemple et soutenu par votre secours, nous puissions mener une vie sainte, mourir dans la grâce et parvenir à l'éternel bonheur du ciel. Seigneur de nos prêtres, Seigneur de nos saints prêtres, Seigneur de nos saints évêques, Seigneur de nos saints papes, Seigneur de nos des familles chrétiennes, Seigneur de nos des écoles chrétiennes. Nous adorons en silence le Saint-Sacrement. Ici présent de manière très spéciale. Dieu est partout, mais spécialement, comme vous savez, physiquement, avec son humanité, avec sa divinité, il est partout, mais avec son humanité, il est maintenant devant nous. C'est pas la substance de son corps. Et avec toutes ses grâces, dans la forme de l'hostie, qui est la nourriture de notre âme. Il veut se donner en nourriture pour notre vie surnaturelle, pour notre âme. Et avec toutes les grâces qui sont nécessaires et utiles pour aller au ciel.
On chante Ave Maria numéro 200. Tantum ergo sacramentum, veni voce nomini Dei, et anticum documentum, pro locerate tobi, es et fide supplementum, sensum defectum, genitore genitoque, Laus et jubilatium, salus honor virtus quoque, sede benedictio, procedente ab utroque, compassit laudatio. Amen. Alde cielo peste teste ieies, omni delectamente messe amentam. Oremus. Deus qui nobis sum sacramentum mirabili, passionis tui moriam veni Christi, tibui quesumus, ita nos capere da sanguinis tui sacra miseria venerari, ut edim sionis tui fructum in nobis iuris essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Louange en réparation de la femme. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très saint cœur. Béni soit son très saint cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans
ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. À la fin, nous chantons. Numéro 213, page 257. Miséricordias Domini, in eterno vocatio. Miséricordias Domini, in eterno vocatio. In generatione per generatione, annunciavo veritatem tua, in ore meio. Misericordias Domini, in eterno cantavo. Gloria Patri et Filio, et Spirito Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Misericordias Domini, in eterno cantabo. Je
Thank you.